Bonjour à vous les internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avons déjà évoqué dans de précédents épisodes quelques propriétés de la lumière dans deux conditions précises. La première de ces conditions est la réflexion, où la lumière rebondit sur une surface réfléchissante. Dans ce cas, la lumière aura un angle incident égal à son angle réfléchi. La réflexion avait déjà été étudiée au 3e siècle avant notre ère par Euclide, qui imaginait la lumière composée de particules minuscules. Dans sa conception, la lumière était structurellement proche de la matière et était composée, tout comme elle, de particules extrêmement petites, une sorte d'atomes de lumière. La deuxième de ces conditions de propagation de la lumière est la réfraction. Comme le passage par exemple de l'air au verre d'une lentille, la lumière va être déviée dans son trajet en suivant une loi appelée loi des sinus qui avait été découverte par Snell. C'est l'anglais Robert Hooke qui fera l'hypothèse que la lumière est une onde, arrivant à l'aide de cette conception à expliquer les irisations observées sur les bulles de savon et les pellicules d'huile. Cette conception ondulatoire de la lumière déplaît fortement à Isaac Newton. Ça va, oui, vous faites pas trop chier ? Pour lui, la lumière doit être composée de particules, comme les écrits anciens la décrivent. Il profite donc de l'épidémie de peste de l'année 1665 pour rentrer dans le domaine familial où il va s'aménager un cabanon spécialement pour ses études. Il condamne toutes les sources possibles de lumière pour y faire le noir le plus complet possible, pour pouvoir également garder ses yeux habitués à l'obscurité et ne pas être dérangé par ses nombreux chats. La légende raconte même qu'il ira jusqu'à faire un trou dans la porte du cabanon, recouvrir ce trou d'un tissu épais afin que les chats puissent passer à loisir sans faire entrer de lumière, créant ainsi la chatière. Newton sait que les lunettes astronomiques présentent un problème lorsqu'il s'agit d'utiliser des lentilles en verre pour grossir les images. À cause du passage de la lumière à travers ces lentilles justement, les astronomes observaient un flou de couleurs sur le bord des objets que l'on appelle un flou chromatique. C'est un sujet qui agite à l'époque grandement la communauté scientifique et de nombreux savants se sont penchés sur le sujet afin de tenter d'améliorer l'optique des lunettes astronomiques. Si cette dernière est gênante pour l'observation, elle intéresse en revanche grandement Newton. Double plus good. Il va donc chercher à exacerber cette caractéristique pour étudier plus en profondeur les propriétés de la lumière. Pour cela, il va recourir à un instrument en verre possédant des phases qui ne soient pas parallèles. Le but est bien entendu que le flou chromatique observé dans les lentilles soit amplifié par cet objet lors du passage entre les deux interfaces. Il jette donc son dévolu sur un objet simple mais extrêmement utile, le prisme à base triangulaire. La meilleure description des expériences antiques que nous ayons vient de Pline l'Ancien, qui décrivait au 1er siècle de notre ère comment la lumière solaire passant au travers d'un prisme créait de magnifiques arcs-en-ciel. Cependant, à l'époque, l'origine de l'apparition de cet arc-en-ciel n'est pas bien comprise. Elle est attribuée au verre qui aurait en son sein des couleurs cachées, qui seraient alors révélées lors du passage de la lumière solaire dans ce dernier. Cet état des croyances évoluera au fil des siècles, mais les explications ne seront jamais beaucoup mieux, certaines parlant même d'une illusion de couleur. Pour Newton, le fait que les couleurs soient cachées originellement dans le prisme ne fait aucun sens, puisqu'une légère séparation des couleurs est observée également avec des lentilles. En bon scientifique, il est conscient que ces couleurs pourraient être dues au verre qui compose le prisme et les lentilles. Mais Newton va alors penser à utiliser à son avantage les travaux de Hooke sur les irisations, même si la conclusion de ce dernier sur la nature de la lumière ne lui convient pas. Comme il sait par ses travaux que les bulles de savon ou les flaques d'huile affichent de magnifiques couleurs irisées, alors que ni le savon ni l'huile n'ont de rapport avec le verre, il en déduit que ces couleurs émanent directement de la lumière solaire et non des matériaux eux-mêmes. Son hypothèse est que la lumière blanche de notre chère étoile n'est en réalité pas blanche, mais plutôt un mélange de toutes les couleurs. Ce mélange serait alors perçu par notre œil comme du blanc, tandis que l'arc-en-ciel serait quant à lui dû aux différentes couleurs se séparant lors du passage du prisme. Pour prouver son hypothèse, Newton va alors se mettre au travail. Il met donc en place dans son cabanon un dispositif optique qui est relativement simple, mais très efficace. Par un trou dans le mur, la lumière solaire rentre dans le cabanon, puis est guidée vers un prisme. De l'autre côté de ce prisme, bien entendu, un arc-en-ciel va se former, ce qui est jusque-là parfaitement attendu et avait déjà été attesté par Pline l'Ancien. C'est à partir de là que l'idée de Newton rentre en jeu, puisqu'il va à ce montage antique ajouter ses propres dispositifs. L'objectif est de réitérer l'expérience, mais cette fois-ci avec une seule couleur. Pour cela, il va créer un filtre en découpant une fente assez fine et longue dans une feuille de papier, afin que toutes les couleurs soient bloquées par cette dernière, sauf celle qui l'intéresse, créant ainsi un faisceau monochrome. Il ne lui reste alors plus qu'à diriger son nouveau faisceau vers un deuxième prisme. Si Pline l'Ancien avait vu juste, c'est-à-dire que les couleurs étaient bel et bien cachées dans le verre, il devrait voir apparaître un nouvel arc-en-ciel à la sortie de ce deuxième prisme. Son dispositif montre au contraire que lors du passage dans le deuxième prisme, son faisceau monochrome reste monochrome, bien qu'il soit dévié d'après la loi de Snell. Le rouge reste donc rouge, le vert, vert, et ainsi de suite.
Et même en dirigeant cette lumière vers un troisième prisme, le résultat reste inchangé. Il démontre ainsi que l'idée de Pline l'Ancien était fausse, et que l'arc-en-ciel n'est pas dû au verre mais bien à la lumière elle-même. Il va donc modifier son premier dispositif pour faire sa deuxième expérience. Au revoir le filtre, on reprend avec l'intégralité de l'arc-en-ciel. L'objectif est de guider cet arc-en-ciel et d'utiliser des lentilles pour le concentrer vers le second prisme. Lorsqu'il fait entrer un arc-en-ciel dans ce dernier, il obtient à la sortie une lumière blanche identique à celle de départ. Pour éviter tout doute et s'assurer encore plus que ce n'est pas à cause de la lumière blanche et du vert que quelque chose se produit, Newton va créer un troisième dispositif qui est à l'opposé du premier. Au lieu de n'envoyer qu'une seule couleur vers le second prisme, il veut donc toutes les envoyer sauf une qui sera bloquée. En procédant ainsi, il observe à la sortie du second prisme qu'il n'obtient plus de la lumière blanche, mais à chaque fois la couleur complémentaire à celle bloquée. En bloquant le rouge, il obtient ainsi du bleu clair, en bloquant le bleu, il obtient du orange, en bloquant le vert, il obtient du violet, et ainsi de suite. Pour lui, le doute n'est plus permis, la lumière blanche du soleil est donc composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et ce n'est nullement le prisme qui les contenait au départ. En tant que fervent croyant et féru d'alchimie, Newton veut à tout prix lier l'arc-en-ciel à un nombre à la symbolique mystique. 2, 3 ou 5 étant trop petit, il va alors chercher à faire apparaître le nombre mystique suivant, 7. C'est parfait, ça ferait un lien avec la création du monde qui s'est faite en 7 jours, mais également avec l'importance de ce nombre dans l'alchimie dont Newton est féru. Il n'a pas de difficulté à y distinguer du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu et du violet. Par contre là, ça fait 6 et il lui manque une couleur. Il va donc totalement arbitrairement y ajouter une couleur supplémentaire, l'indigo, afin d'arriver à un total de 7 couleurs. Alors la définition qu'utilise Newton pour les couleurs n'est pas très précise, et il existe aujourd'hui un débat sur les couleurs qu'il a vraiment repérées dans l'arc-en-ciel et qu'il a voulu désigner. Mais passons. Mis à part sa définition arbitraire des couleurs dans l'arc-en-ciel, Newton va arriver à une conclusion très importante. Il conclut en effet que la décomposition de la lumière blanche par le prisme en arc-en-ciel est due au fait que les différents faisceaux n'ont pas le même angle de réfraction en fonction de leur couleur. En reprenant les travaux de Hooke, il imaginera une technique permettant de tester la qualité des lentilles en posant ces dernières sur une vitre parfaitement plate éclairée par le dessous. En faisant cela, on voit alors apparaître des cercles concentriques sombres qui permettent de vérifier la régularité de la courbure de la lentille. Ce phénomène sera alors nommé anneau de Newton pour rendre hommage à son découvreur, mais il sera malgré tout incapable d'expliquer l'origine de ces anneaux qui nécessitent de considérer la lumière comme une onde. Il en déduit néanmoins que l'amélioration du flou chromatique des lentilles de télescope, bien que possible, est extrêmement compliquée à réaliser du fait que la valeur de l'indice de réfraction d'un milieu varie en fonction de sa couleur. Aujourd'hui encore, il suffit de voir l'optique d'un appareil photo de bonne qualité pour voir à quel point il faut jouer sur un nombre important de lentilles pour ne pas avoir de flou. Il arrêtera alors de chercher à améliorer la lunette astronomique et se concentrera sur l'amélioration du télescope, concurrent direct de cette dernière, qui ne souffre pas lui du flou chromatique et présente l'avantage d'être beaucoup plus compact. Il finira par concevoir un dispositif de télescope beaucoup plus agréable à utiliser, qui est de nos jours encore appelé le télescope de Newton. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience de Newton permit de confirmer l'hypothèse que la lumière blanche était composée de toutes les couleurs. Cette hypothèse avait déjà été émise par un compatriote de Newton, Robert Hooke, qui lui permettait d'expliquer les irisations observées sur les bulles de savon. Cependant, alors qu'on pourrait les penser complémentaires dans leurs approches des phénomènes lumineux, les deux scientifiques étaient en total désaccord sur la nature de la lumière, Hooke la considérant comme une onde, tandis que Newton la considérait comme constituée de corpuscules. Il n'hésitera pas ainsi à refuser l'hypothèse ondulatoire de la lumière, quand bien même cela lui aurait permis d'expliquer les anneaux sombres qu'il observait sur les lentilles et que l'on nomme aujourd'hui anneaux de Newton. Si aujourd'hui les travaux de Newton en optique sont pour certains considérés comme une référence dans le domaine, c'est oublier bien vite qu'il ne s'est pas arrêté là. Totalement fasciné par la lumière et la vision, il n'hésita pas à s'insérer toutes sortes d'aiguilles à coudre dans l'orbite afin de venir appuyer sur son œil et notera très consciencieusement les différentes formes qu'il voyait apparaître ainsi que les troubles de la vision entraînés par cette déformation et qui s'estompaient en quelques minutes. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir abordant la décomposition de la lumière. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.